Et bien salut tout le monde, c'est PetGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle map sur la map Akamuna, donc qui est une map créée par Shady PE, tout simplement. Donc j'ai décidé de faire cette série parce que ça faisait longtemps tout simplement que j'ai pas fait de série sur des maps aventure, etc. Donc ça c'est une map en mode survie sur une île. Donc je vous mettrai le trailer en description et la chaîne du créateur de toute façon en description. Donc il y a les règles et informations ici, et on va les lire maintenant. Alors, les règles, c'est très très simple. Donc, c'est encore ne pas tricher, ne pas se mettre en game mode 1 et jouer en normal. Je ne sais pas en quel mode je suis en paisible. On va se mettre en normal, comme ceci. Activer les mobs, tronçon à moitié. Alors, attendez, paramètres, hop, normal. On va enlever les cheats. Alors, la vidéo, tronçon, c'est ici. Tension à moitié, on va mettre ça ici. Voilà. Ne pas sortir de l'île, bien évidemment. Une salle des objectifs. Ou donc. Alors attendez. Une salle des objectifs se trouve sur l'île, ok. La map est faite entièrement par Shady PE, comme je vous l'ai dit. Alors attendez, ça bug beaucoup. Et la map, c'est by Shady MCPE. Je vous mettrai son Twitter et sa chaîne YouTube dans la description. Donc voilà, on va pouvoir se retourner. Alors attendez, ça bug un peu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'histoire. Donc Christopher est un jeune explorateur français de 23 ans. Il est recruté par le chef d'État pour découvrir l'île légendaire au milieu de l'océan. Personne ne sait vraiment où elle se situe, mais elle est indiquée sur les anciennes cartes du pirate Jackson. Le 23 mars 1882, Christopher prend la mer à la recherche de cette île. Ok, et ici nous avons le commande bloc Akamuna. Et il est marqué ici la suite. Du coup, aïe, on va descendre. Ok. Alors, après des heures et des heures, des jours et des jours, rien à l'horizon à part de l'eau, un soir, il décide de jeter l'ancre et d'aller dormir après avoir mangé un peu. Il s'endormit tellement profondément qu'il ne se rendit pas compte que le vent faisait dériver son bateau sur plusieurs kilomètres. Soudain, un énorme bruit retentit dans la cabine du bateau, de l'eau coule dans la cabine. Quand il monte sur le pont du navire, il aperçut qu'il avait heurté un rocher et à ce moment-là, il voit alors une île pas très grande avec une cabane S à Kamuna. Ok. Donc là c'est la suite. On va sûrement TP. Et donc on se retrouve ici dans ce petit bateau. À mon avis c'est d'être le bateau où on peut dormir. Et il y a la suite ici. Ok. 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 On s'est fait téléporter. Alors. Waouh. Ok. Nous devons être sur l'île là. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons rien. Nous avons un coffre. On va déjà prendre ce qu'il y a. Voilà. Il y a notre coffre ici. Ah, ça va pas le faire. Ok, hop. Voilà. Alors le coffre ici il est vide. Nous avons une table de craft. Il y a une petite cabane là-bas, on va voir ce qu'il y a. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. On va juste voir. Hop. Là il y a rien. Sur ce rocher. Non. Il y a une maison là-bas, on va aller voir tout de suite dans la maison. Alors. Ça, les objectifs, alors attendez. Ah oui. Ah oui, ok. Qu'est-ce que... La carte. Carte inconnue. Nous allons la mettre déjà. Ok. Donc ça, c'est la carte où nous sommes. Donc l'île. Il y a l'île là-bas aussi. Mais on peut pas quitter cette île ici. D'accord. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des torches et des lits qui sont cassés. Alors. Je vais juste remettre le lit. J'ai des torches. Je ne sais pas pourquoi il y a ça ici. On va descendre. On va aller se TP directement à la salle des objectifs. Ok. Ok. Alors. Ok, donc ça bug un peu, les amis. Désolé. Avoir un stuff entier en diamant. Donc ça, c'est les objectifs. Avoir un stuff entier en diamant. Construire une belle maison sur l'île. Avoir un stack de chaque minerai. Sauve le verre. Posséder des champs de blé. Construire une cabane en haut d'un arbre de la jungle. À toi. Dans... Rajouter. Construire une belle maison sur l'île. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire déjà la cabane, je pense. On va retourner à l'île. On va déjà se faire la cabane et dans les prochains épisodes, tout simplement, vous allez me dire dans les commentaires quels objectifs vous voulez que je rajoute pour faire cette map aventure. Et du coup, je pense que la cabane, on va se la faire ici. Comme ça, on est près de l'endroit où il y a les objectifs, tout simplement. Donc on va monter ici. Et on va faire ça. Est-ce qu'on peut... Ok.
Je vais juste casser ça, si jamais je tombe pas. Ok, parfait. On va casser le bois ici. Et on va monter directement ici. À chaque fois qu'on montera tout simplement sur l'arbre. On montera par les lianes. J'ai pas trop envie de me casser la tête pour le moment, hein. Voilà. On va juste faire ça. Alors attendez, ça bug beaucoup en fait sur le retour, je vois. On va juste casser ça, comme ça on est un peu tranquille. Allez, s'il vous plaît. Et on va tout de suite après se faire les trucs de base. Hop. Allez, comme ceci, voilà. Ok. Ok, on peut pas encore aller pour le moment. Je vais juste descendre, on va se faire une hache. Une hache directement. Il y avait les tables de craft là-bas, j'ai vu. Là aussi, il y en a une, je crois. Non, il y a le four. Il y a juste le four, on a ce qu'il faut ici. Alors, hop. On va se faire ça, déjà. Comme ceci. On va juste ramener une table de craft. Et je vois qu'il y a un lit, donc le lit, on peut le récupérer, sûrement, je suppose. Je ne sais pas pourquoi il était là, mais écoutez, ça tombe bien. On va prendre aussi les... Je sais pas si on peut... Je pense qu'on peut prendre, hein. On va prendre tout ce qu'il y a ici alors. On va déjà se faire une hache. Une hache comme ça. Hop, on peut prendre tout ce qu'il y a un peu ici. Deux tables de craft, je ne sais pas pourquoi. Le coffre. Ça peut déjà nous aider et nous faire économiser du bois, etc. Voilà. Alors attendez, ici un peu de bois. Non, voilà. Ouais, on va le prendre quand même. On va déjà aller dans la cabane ici. Et on va prendre déjà la pioche. Comme ceci. On va casser le four. Voilà. On va prendre le coffre. Écoutez, on va prendre les deux coffres. Hop. Comme ça, on a un peu de tout. Voilà, je vois qu'il y a des animaux. C'est plutôt parfait. On va les casser. On va déjà prendre la stone. Voilà, on va prendre de la stone ici. Pour éviter déjà d'aller en grotte après. Donc il nous faut 64 stacks de minerais. Donc cette série va nous occuper pas mal de temps, hein. Hop. Voilà. Donc c'est une série map aventure sur une île. C'est vraiment parfait. Moi je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi des objectifs à rajouter sur la map. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits youtubeurs un petit peu qui avaient commencé la map tout simplement. Et ShadyPM m'a proposé de pourquoi pas faire une série sur cette map. Et bien sur cette map. Et bien voilà. Est-ce qu'il y a autre chose derrière la maison? Parce que j'ai pas vu. Non, il n'y a rien. Est-ce que. Non, il n'y a rien sur les boutons. Bonne question. Alors, on va se couper déjà. Un peu... Ah, je vois qu'il y a quelque chose là-bas. Je vois qu'il y a une tour. On va déjà se faire le début de la maison. Et ensuite, on ira voir la tour qui est là-bas. Parce que ça a l'air pas mal. Alors, je me prends vite fait du bois. Comme ça, on peut déjà commencer. N'hésite. Allez, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ne vous inquiétez pas, voilà. Les tutos Redstone, etc. Ça va reprendre tous les tutos. Il va y avoir des vlogs, vu que je vais partir en vacances, bien évidemment, vous le savez. Il y aura des vlogs. Ne vous inquiétez pas, il y aura. Je vous mettrai des vidéos aussi. Pendant ces 2 mois de vacances, plein de vidéos, etc. Donc il y aura des vlogs. Et ça va être super. Vlog IRL. Et vous allez voir. On verra comment ça va se passer. Du coup. Hop, voilà, j'ai la flemme de monter jusqu'en haut. On va juste prendre ça pour le moment. Et on va monter ici. Alors attendez. Juste là, on va mettre un bloc. Comme ça, ok, on peut venir ici. Hop, voilà. Et voilà. Et ensuite, ouais, je sais ce qu'on va faire. Alors attendez. On va prendre plutôt du bois. De jungle, tout simplement. Pouah. Ok, on va juste prendre du bois de la jungle. C'est plus beau en fait. Je vois qu'il y a de la nourriture aussi. Super. Alors attendez. Hop. On va mettre ceci. Et on va faire un étage en fait. Comme ceci. Voilà déjà. Non. C'était pas l'endroit où je voulais le mettre. C'était ici. Ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà. Non, pareil, c'était pas là. Alors ça bug aussi. Donc je suis sur la version de Windows 10. Si jamais vous demandez. La version de Windows 10 de Minecraft de Pocket Edition. Voilà. Alors, please, arrêtez de bugger. S'il vous plaît, voilà. Hop. Ici. Hop. Oui. Qu'est-ce qui se passe?
Ok, il y avait juste ça qui bloquait, c'est bizarre. Voilà. Ok, nous avons notre petite petit endroit déjà. Un petit endroit pour si jamais on monte et qu'on tombe. Voilà, on va plutôt s'installer vers cet arbre-là, vu que c'est rapide, c'est vers la maison directement, on rentre et on va à la salle des objectifs. Donc comme ça nous aidera un peu pour tout. Je vois qu'il y a pas mal de trucs. Du coup, on va vite se dépêcher à faire cette maison, vu qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. C'est déjà ça, hein? C'est déjà beaucoup. On va faire des épisodes de plus ou moins 20 minutes, je crois. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner d'autres objectifs à faire, hein? Voilà. Là, par contre, on va déjà mettre une table de craft. Et vous savez quoi? Est-ce que les échelles, on les fait comme ça? Je pense, il me semble que les échelles, nous les faisons comme ça. Alors, attendez. Hop, oui, trois échelles. Voilà. On en met deux ici. Voilà. Peut-être. Alors. Une. Ok. Ok, oui. Ok, une échelle. Ah non, ça passe pas. D'accord. Ok, ça passe pas l'échelle. Alors, on... Ok, on va monter ici, écoutez. Hop là, ok. Donc l'arbre est encore plus haut, donc je pense qu'on va devoir faire un autre étage vers ici. Alors. Ok. Et du coup. Aïe, oui, ok. Du coup, on va monter ici. Alors c'est compliqué. On va mettre un bloc là. On va péter la feuille ici. Voilà. Ok, donc là, après, nous avons plusieurs étages. Et du coup, on va monter. Tout simplement avec des échelles. Alors il pleut, c'est pas grave, on va laisser la pluie. Et on montera tout de suite avec des échelles. Ça va aller plus vite. Hop, voilà. Ok, encore du bois ici. Ok. Et ici, on va enlever. Et on va mettre des échelles. À la place, tout simplement, des lianes. Hop. Ça, on va enlever aussi également. On va prendre les échelles qui sont ici. Hop, voilà. Et voilà. On va replacer l'arbre. Et la table de craft, on va la mettre ici. Voilà. On va se faire les échelles. Comme ceci. Voilà. En fait, on peut faire comme ça. On n'en a que 9. Est-ce que... Non, ce sera pas suffisant. Pourquoi pas? Ok, premier étage, c'est fait. Est-ce qu'on peut mettre du bois tout autour, ici, pour éviter de tomber? Alors. Voilà, ce serait bien. Hop, 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 hop. Et ici, on enlève. Hop, hop, voilà. On va éviter de manger dès le début. Ici, ce sera un autre étage. Donc ici, on va enlever ça. Ce sera un autre étage qui pourrait être bien. Hop. Voilà, une petite terrasse comme ceci. Bon, je fais un peu au pif, hein. J'improvise, les amis. On va essayer de faire ça comme ça, comme il faut, proprement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui. On va déjà mettre du bois ici pour agrandir. On va continuer à faire des sticks, vu qu'il nous en faut. Ok, on va redescendre à la table de craft. Voilà. Hop. Voilà. 12. Est-ce qu'avec 12, on en aura assez pour monter encore plus haut dans l'arbre, vu que la cabane, je vous précise, on la mettra vraiment tout au-dessus. Du coup, hop, si on monte ici et qu'on monte ici. Je pense qu'on en aura assez. Ouais. On en a assez. Alors. 1, 2. Ok. Et écoutez, l'arbre, on va enlever une couche ici. Notre cabane, ce sera vraiment la dernière couche. Alors, hop. Voilà. Comme ceci. Et ça, on peut enlever. Il nous faudra juste une échelle en dessous et c'est bon. Et on pourra commencer notre cabane. Hop, donc là on a déjà fait à peu près les alentours. On va pas commencer aujourd'hui notre cabane. On la fera dans le prochain épisode.
Comme ça, j'aurai un peu vos retours déjà sur le tout premier épisode, les commentaires que vous avez laissés. Hop. Voilà, on remplit un peu. Comme ça, on a plus d'espace. Voilà. Ok, bon. Ici, on remplit. On remplira. Ouais, alors attendez. Pour éviter de tomber quand même. Voilà. Un beau petit couloir. Là, pareil. Comme ceci. Oui. Et puis c'est bon, je crois. Hop, hop. Voilà, puis c'est bon. Nous avons des échelles. C'est parfait. Ici, pour descendre maintenant, on va... On mettra des échelles directement, en fait. Donc là... Hop. Et du coup, ça passe. Ok. Du coup, quand on monte, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon jusqu'ici. Quand on descend... Ok. Ok, ça peut être bon. C'est parfait, nous avons déjà notre arbre qui est bien placé, je crois. C'est vraiment bien. Et on peut directement mettre les coffres tout au-dessus. J'y ai pas pensé. On va mettre le coffre tout au-dessus. Voilà, on monte ici. On monte ici. Il y a l'échelle ici. Ok, c'est parfait. Hop. Et je pense que le coffre, on va les mettre ici. Dans la salle des coffres tout en haut, ce sera la pièce pour vivre. Pour le moment, on va mettre le coffre ici. Donc, du coup, les œufs, hop, ça, ça. Tout ça, pour le moment, on met dedans. Voilà. On va se faire déjà une épée en pierre, par contre. On va se remettre une table de craft ici. Hein. Hop, une petite épée en pierre. Voilà. Voilà. Les deux autres coffres qu'on va poser ici. Et on va pouvoir partir là-bas en exploration. Par contre, sur la carte, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. C'est un peu bizarre. Alors, attendez. Ce qu'il nous faut, c'est du fer aussi, parce que on pourra peut-être nous mettre sur la carte en se voyant avec une espèce de petite souris comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais alors attendez, avec une boussole peut-être fusionnée. Est-ce que je tiens d'abord la carte dans le bon sens? On peut pas la tourner la carte, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un coffre. Ah oui, ah oui, ok. Alors là, c'est vraiment pas mal. Effectivement, là, on est plutôt bien. J'ai envie de dire. Bah, j'ai vite fait explorer les alentours. Mais là, franchement, nous sommes plutôt bien avec ce qu'on vient de trouver. Alors, là, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que l'île est plutôt pas mal. Hein. Là, il y a un grand arbre aussi. On aurait pu s'installer là. Mais bon, j'aurais préféré être plus près de la maison des objectifs. Tout simplement, pour avoir la facilité. Là-bas, il y a quelque chose. Ça me semble être le bateau. Après, il n'y a plus rien, je crois. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc là-bas. Il y a un petit truc là-bas, on va aller voir. Déjà, j'ai vu qu'il y avait des moutons. On va en tuer un ou deux juste pour la nourriture pour le moment. Il y a même des petits chats ici. Un squelette. Aïe. Allez, tire-toi. Ok. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, tout simplement. Allez, moutons. Ok. J'ai un peu de la nourriture. On va essayer de pas trop mourir. Hein. On va essayer de pas mourir. Ce serait bien. Alors, ça bug. Ça bug, ça bug. Mais nous sommes déjà à 18 minutes de vidéo, les amis. Donc, je pense qu'on va se laisser là. Et on reprendra ça dans l'épisode prochain. Je pense que c'est plutôt bien de prendre ça dans l'épisode prochain. Il y a des pastèques. Franchement, il y a un peu de tout. C'est vraiment stylé. Hop, on va juste aller voir ce que je vous ai dit. Et après, on va arrêter la vidéo. Et dites-moi les objectifs, franchement, lâchez un like, n'hésitez pas à commenter. Commentez vos objectifs, ce qui pourrait être amusant si jamais vous aimez la série, si jamais vous aimez tout ça. Dites-moi des propositions de tutoriels dans les commentaires, parce que j'ai vraiment plus d'idées. Et donc voilà, ce serait vraiment pas mal. Ah non, en fait, il n'y avait rien du tout. Ça continue là-bas. On explorera dans un épisode prochain, les amis. Hop. Ouais, je sais pas vraiment où je suis avec tout ça. Mais on essaiera d'améliorer la carte pour pouvoir voir où on est. Tout simplement. Avec un petit curseur, voilà. Et donc, je pense que c'est bon. La pluie qui casse un peu la tête. Je ne sais pas si vous l'entendez fort ou pas. Je vais juste casser la pastèque.
Voilà. Je crois que normalement on pourrait avoir des graines de pastèque comme ça. Ouais, on essaiera d'en faire pousser. Donc voilà. En tout cas, les amis, j'espère que ce premier épisode de Akamuna, voilà, je sais plus le dire, Akamuna vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce premier épisode dans les commentaires. Hop, n'hésitez pas à me lâcher quelques petits objectifs à rajouter ici, hein. Voilà, on peut les rajouter sur tous les murs, tout simplement. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était iPadGamer172. Allez, bye tout le monde, allez, hein, non, ne crève pas. Ne crève pas, s'il te plaît, monte à la surface. Ok. Voilà. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Do 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 do